Mesdames et messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons. Nous recevons Georges Yalala, combattant de l'IDPS. Georges, bonjour et bon arrivée. Bonjour Justin, bonjour tout le monde. Nous voici encore pour un nouveau numéro concernant l'actualité politique et pourquoi pas sociale de la province. Et nous vous demandons bonne écoute et bon suivi. Sécurité, justice, politique, bien sûr, ainsi d'autres sujets d'actualité seront développés tout au long de cet entretien. On commence par la sécurité. Georges, quelles sont les dernières informations que vous avez de la ligne de front de retour? En fait, sur la ligne de front, nous n'avons pas trop de formations là-dessus, ouais. Mais cependant nous savons très bien qu'il y a eu toujours des affrontements. On nous apprendra qu'hier il y a eu affrontement entre les FRDC du côté de Tongo avec les M23, mm-hmm. Mais aussi sur la ligne Rutshuru Nyamilima, mm-hmm. Disons Kiwanja Nyamilima, il y a eu aussi des affrontements au niveau de Kiseguro, mm-hmm. Mais aussi il y a eu des affrontements à Kazaro, c'est un milieu qui approche Mabenga, le pont Mabenga. Et là, il y a eu des éléments des autodéfenses avec les M23. Mm-hmm. Effectivement, la cause était laquelle les éléments du M23 commencent déjà à aller même récolter du maïs dans les champs des populations, mm-hmm. Ce qui a énervé certains résistants et ils ont fait front. Jusqu'au point même à arracher certaines localités au M23 vers Kahunga. Et pour le moment, nous n'avons pas encore de nouvelles sur ces attaques, mais au moins, voilà presque la cartographie sécurité, surtout sur la ligne de front. Mais où seraient passés les FRDC? Aujourd'hui, on ne parle plus des combats entre FRDC et M23. Il s'agit maintenant des affrontements entre les rebelles et les groupes d'autodéfense. Les FRDC à Tongo, ils ont infligé des gifles au M23. Ils ont réellement giflé ces renégats-là. À Tongo, la zone de Tongo, parce que Tongo, c'est un groupement aussi vaste que peut-être les groupements de Jomba. Mm-hmm. Et là, dans ce groupement-là, c'est presque chaque jour, il y a toujours des fronts entre les FRDC et les M23. Ça ne veut pas dire que nos FRDC ont disparu sur la ligne de front. Et pas d'ailleurs, ce sont les FRDC qui sont en train de faire tenir. Imaginez les résistants, par exemple. Quand nous prenons les résistants autodéfense, vous devez toujours savoir que comme nous sommes dans SSC le feu, mais cependant, quand ils viennent attaquer, nous ripostons, nous défendons, mais aussi maintenant, les résistants aussi viennent comme des appuis parce qu'ils trouvent que c'est leur milieu naturel qui est alors attaqué, qui est peut-être menacé par l'agression du Rwanda. Mais dire que les FADC ont disparu sur la ligne de front, ben, les M23 seraient déjà à Goma, les M23 seraient déjà à Kichanga, plus lui-même à Sake ou à Kilolirwe. Mais à cause de cette endurance, de cette résistance, de cette ligne de défense de nos FRDC, les M23 n'a même pas pu faire un pas vers telle ou telle autre localité. Et pour le moment, je tiens à informer les gens que après le passage du numéro 1 des armées, c'est maintenant actuellement les troupes qui reçoivent des dotations nouvelles pour dire que nous nous préparons pour des opérations foudroyantes
Ils ont réussi quoi? Ils ont réussi beaucoup d'éléments, beaucoup d'effets militaires. Par exemple, nous voyons déjà à la ville de Goma, il y a déjà une nouvelle tenue qui est dotée au FRDC. Une très bonne tenue, une très belle tenue, avec plusieurs effets militaires qui réellement vont servir nos troupes pour se défendre et chasser dehors ces bandits qui continuent toujours à nous équiper. Ce ne sont pas des uniformes FRDC qu'on voit, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles uniformes très très jolies, mais consacrés aussi à la guerre. Parce que ce ne sont pas des Kenyans que vous avez vus, monsieur. Non, sa couleur. Non, sa couleur. Allez essayer, bon, vous êtes journaliste, allez faire votre investigation. C'est pas encore officiel. Allez vers l'aéroport. Bon, moi je vous informe à titre d'un enfant, du millier, d'un enfant qui s'intéresse beaucoup aux opérations militaires. Surtout un amoureux de la patrie, surtout encore plus loin, un enfant qui aimerait que le respect nous revienne. Et quelqu'un qui est au pouvoir, il faut ajouter. Alors, comme vous évoquez la présence du chef d'état-major à Goma, revenons sur son message d'hier. Le chef d'état-major général des FRDC, le lieutenant-général Christian Tshiwewe, a appelé en tout cas ses troupes à la discipline et au respect du droit international et humanitaire au cours d'une parade animée à Mubambiro dans le territoire de Masisi. Nous sommes en tout cas à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Il a dit, je cite, « Il est strictement interdit de confisquer les biens des populations. » Ne maltraitez pas en tout cas les civils parce qu'ils sont vos frères. Il faut les protéger. La mission des FRDC est de défendre l'intégrité du territoire national, ses frontières et protéger les populations et leurs biens, a lancé le chef d'état-major général des FRDC. Accompagné des autorités militaires de la province, le lieutenant Tshiwewe a notamment appelé au respect du droit international et humanitaire. Il a dit, je cite, il faut vraiment respecter le droit international et humanitaire. Si tu prends un ennemi en otage, ne le maltraite pas. Conduis-les à l'état-major. Les autorités vont s'occuper de lui. Quand il attrape un ennemi, ne le tue pas. Donne-lui à manger, donne-lui en tout cas les soins. S'il est malade, qu'il soit bien traité. Je vous souhaite bonne chance et gagner cette guerre, a-t-il poursuivi. Je conclue en disant, après en tout cas sa parade, le chef d'état-major général de l'armée a visité également les militaires qui se trouvent sur la ligne des fronts à Kanyamaoro, dans le groupement Buhumba. Là, nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, près de Goma. Sur place, il a réconforté les soldats qui veille sur la défense de l'intégrité du territoire congolais. Mais peu avant ces deux étapes, le lieutenant général Tshiwewe avait rendu visite aux militaires blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Dika Katindo. Le chef d'état-major général des FRDC est en séjour au Nord Kivu depuis mardi dernier. Il faut préciser que c'est sa première mission depuis la prise de ses fonctions. En gros, Monsieur Georges, comment vous analysez cela, toutes ces missions-là effectuées par le numéro 1 de l'armée? Je le disais la fois passée qu'il est venu réconforter ses troupes sur la ligne de front. Vous savez, quand nous sommes à Goma, nous sommes considérés comme déjà une ligne de front. Il est venu à Goma, il s'est rendu sur les lignes de front, il est même parti visiter les troupes et il a fait une parade. Pour vous dire qu'il est venu pour une mission réellement de réconfort, mais aussi d'inspection, parce que l'inspection n'est pas souvent médiatisée. Il est venu pour un contrôle sérieux, parce qu'il a fallu qu'on vienne contrôler, voir s'il n'y a pas eu des brebis galeuses qui veulent désorienter les troupes sur la ligne de front. Ça, c'est très capital. Nous, à Goma, nous avons déjà vécu beaucoup d'histoires. Et il est venu pour ça. Je sais très bien que le rapport de sa mission va bientôt être publié. Et vous risquerez de trouver même une nouvelle mise en place dans l'opération, peut-être Sokola 2, peut-être même dans l'opération contre les agresseurs.
Il est venu aussi faire un état des lieux. Et surtout, il est venu pour doter ses hommes de nouveaux matériaux de guerre. Et ce sont ces nouveaux matériaux de guerre qui ont peut-être... D'ailleurs, la population de Goma, presque tout entière, est en train de faire de manière comment on est en train de prendre nos militaires. Jadis, avec le régime passé, nous avons vu des militaires être sacrifiés. Mais aujourd'hui, au moins, les militaires sont pris en charge de manière la plus responsable. Quand je vous dis qu'il y a dotation aujourd'hui, tous les militaires sont allégrés, sont dans l'allégresse. Ils sont vraiment très contents, très joyeux. Et Tchouéwé, quand il arrive à Goma, il remarque aussi une chose. L'hôpital de Kakatindo, là où on a toujours soigné nos blessés de guerre. Il faut préciser, c'est un hôpital militaire. C'est un hôpital militaire, bien sûr. Kakatindo, c'est-à-dire, c'est un hôpital, c'est tout dans le cas pour les militaires. Il va remarquer sur certaines choses, que je ne serai pas peut-être dévoilé ici. Vous savez, les blessés de guerre, ça peut être aussi aberrant. Quand quelqu'un qui est blessé, qui doit être normalement pris en charge à 100% par l'État, mais quelquefois, on lui demande même à dire qu'il faut contribuer aussi au souhait qu'il doit recevoir, alors qu'il est militaire. Ça, on doit abandonner avec ça. Ça, il reviendra prochainement. Mais la question, monsieur Georges, le numéro 1 de l'armée s'est rendu sur la ligne de front, nous précise dans cette dépêche de nos confrères de la Radio Okapi, qui s'est rendu à Kayamaron. Mais la question qu'il faut qu'on se pose ici, après cette visite, ça change quoi? Après cette visite, qu'est-ce qu'il y aura? Peut-être, ça change quoi sur la ligne de front? Mais qu'est-ce qu'il y aura? Nous, population, nous attendons maintenant la foudroyante. Et d'ici là, selon ma conviction, je sais très bien qu'il va y avoir de grandes opérations pour bouter l'ennemi hors du sol congolais. Et ça, je suis sûr. Aujourd'hui même, nous voyons les M23 qui fait un communiqué, qui fait une sortie médiatique, dire qu'il demande à Uhuru Kenyatta de continuer avec le processus de Luanda, de Nairobi, avec un retrait peut-être ordonné. Et il faut qu'il y ait un cessez-le-feu réellement correct. Alors que nous sommes à cessez-le-feu, ce sont des qui ont toujours voulu le cessez-le-feu. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, ils réclament un cessez-le-feu? Parce qu'ils savent déjà que d'ici là, on va déclencher les opérations. D'accord. Ils sont les premiers perdants. D'accord. Quand vous évoquez cette question, parlons également de ces sujets. Peut-être Kinshasa vers une négociation avec les rebelles du M23. Hier, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, et facilitateur de l'EAC dans ce conflit, a rencontré les représentants du M23, entre autres le président du mouvement, M. Bertrand Bissimoua, les porte-parole politiques et bien d'autres. Comment vous analysez cet acte, M. Georges? Uhuru Kenyatta rencontrer les belligérants, ce n'est pas un tabou. Si vous me disiez que c'est Tshisekedi qui aurait rencontré les belligérants, moi je serais surpris. Mais Uhuru Kenyatta comme un facilitateur entre deux belligérants, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, peut-être qu'il est parti les communiquer que vous avez perdu votre état inutilement. Voilà déjà, l'état est déjà expiré, vous n'avez plus comment vous justifier. Attendez-vous déjà aux conséquences. Et c'est pourquoi maintenant ces gens-là commencent déjà à dire non, observons encore, laissez les faits. Quand il est déjà tard, on leur a donné le temps. Depuis le mois de novembre jusqu'à l'heure où nous sommes, on leur avait déjà donné le temps suffisant pour qu'ils se retirent. Pourquoi ne pas se retirer à temps utile? Aujourd'hui, nous ne sommes plus au conciliabile, peut-être de devoir parler de cesser le fait aujourd'hui, des retraits ordonnés. Nous ne sommes plus là. Revenons sur ce qui a été dit hier. Les rebelles du M23 sont convenus de poursuivre leur retrait ordonné du territoire conquis dans l'est du Congo, a déclaré hier jeudi
le président, ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Kenyatta qui joue en tout cas un rôle de médiateur dans ces conflits. Elle représente les groupes des 5 pays d'Afrique de l'Est. Il s'est entretenu avec les responsables du M23 selon un communiqué qui a été rendu public à l'issue en tout cas de la rencontre avec le M23. Il a dit, je cite, « Comme gage de bonne volonté pour travailler à un règlement du Nord-Kivu, les dirigeants du M23 sont convenus de poursuivre leur retrait ordonné et de respecter un cessez-le-feu strict », a souligné Kenyatta dans son communiqué. Il ajoute, je cite, « Ils sont également convenus de continuer de respecter et coopérer avec la force d'Afrique de l'Est, l'EAC, qui a commencé à prendre le contrôle des zones dont le M23 vient de retirer », a précisé l'ancien président kenyan. Je le répète, d'abord dire que ils se sont retirés, ça c'est un faux fuyard. N'est-ce pas, Justin, nous avons été toujours avec vous aussi dans ces émissions et constatons que le M23 reste toujours dans Kibumba. Ils ne se sont jamais retirés. Maintenant, quand ils voient qu'il y a déjà le feu qui va s'allumer, ils commencent maintenant à vouloir dorloter le médiateur. Je le répète, c'est tard. D'ailleurs, trop tard. Vous savez, il y a un temps pour tout. Ils ont cru qu'ils vont, ils sont en train de jouer au Malin. Et ce même Malin est en train de les rattraper aujourd'hui. Croyez-vous que tu es venu faire le tourisme ici? Il est venu pour réellement mobiliser ses troupes que bientôt, la guerre, et la guerre la plus sérieuse. D'accord. Donc, je dirais que le M23 n'a que seule, peut-être une seule chance, se retirer peut-être dans 48 heures, sur tout l'espace qu'ils auraient déjà conquis. D'accord. S'ils ne se retiraient pas, d'accord. Je voudrais ajouter un autre élément. Oui. La population est en train de s'apprendre à la force de l'EAC. Oui. C'est normal. Parce que la population, lui, en a marre. Surtout celle qui reste au camp. Quand même, c'est souffrant. Hein? Alors, la force de l'EAC, une fois, si elle ne pouvait pas jouer réellement son rôle convenablement, la population toujours doit s'apprendre à elle. Et cette population, avec ce qu'elle a vécu avec la MONUSCO, elle a toujours peur des forces étrangères. D'accord. Alors, Georges, avant qu'on parle, parce que nous restons jusqu'à avec 3 minutes, on va parler un tout petit peu de justice. Mais on revient sur cette question parce que ça continue à susciter des polémiques. Sous prétexte d'expulser en tout cas des réfugiés congolais, là je reviens sur un titre du média en ligne Les Coulisses qui titre à la une ce matin. Sous prétexte d'expulser des réfugiés congolais, je cite, Kagame veut envoyer des Rwandais s'enrôler en RDC et avoir la citoyenneté congolaise. Ils ne sont pas les seuls qui en rêvent, même certains Ougandais recrutés en appui au M23. Ça vous dit quoi? Selon cette dépêche, Kagame, donc, avec tout ce qu'il a dit, de vouloir renvoyer des réfugiés congolais, disons, qui sont au Rwanda, bien sûr. Donc, pour lui, il veut en tout cas envoyer des Rwandais pour s'enrôler. Comme on est déjà dans un moment crucial, les élections approchent, ça vous dit quoi? D'ailleurs, je trouve ça quelque chose irrationnel. Non, à vrai dire, nous n'avons pas de réfugiés au Rwanda. Je le dis tout haut. Nous n'avons jamais eu de réfugiés au Rwanda. Qui peut aller se réfugier dans un pays où il n'y a même pas l'espace d'expression? Donc vous le faites ici. Qui peut, comme je l'ai fait par exemple ici. Mais là aussi, qui peut aller se réfugier dans un pays où la seule prison c'est toujours la mort? Et la prison, je dirais, la prison des animaux. Guitarama, c'est une prison là où on garde les gens à la mort.
Maintenant, quel individu congolais, moi Georges, je peux aller me réfugier au Rwanda pour chercher quoi? Ça, c'est le faux fuyant. Kagame, c'est quelqu'un qui ne sait plus comment peut-être se tenir politiquement. Au Rwanda, il n'y a jamais eu de réfugiés congolais. En 2008, lors de signature des accords du 23 mars, Kagame avait, disons, les CNDP avaient soulevé les points de dire que nous avons les 45 000 familles réfugiées au Rwanda. Cette question avait fait des bruits dans le monde entier. On est même parti aller voir ces réfugiés. On a trouvé que ce sont des Rwandais transformés en réfugiés qu'on voudrait alors rapatrier ici. Il n'y a jamais eu un seul. Non, ça merci, non. Georges. Alors, on finit par la justice. Il faut préciser que début juillet 2022, le Nord-Kivu, précisément la ville de Goma, a été secoué par des manifestations anti-MONUSCO, lesquelles ont conduit à des morts, des blessés, et quelques cas d'arrestation. Nous avons appris que parmi les personnes qui avaient manifesté pour exiger le départ des casques bleus des Nations Unies, les personnes arrêtées, il y a certaines qui ont été condamnées, donc les manifestants qui ont été condamnés. Parmi les condamnés, on signale qu'il y aurait même, parce que jusqu'à là on ne sait pas, qu'il y aurait même quelques de vos militants. Qu'est-ce qu'on peut retenir, parce que nous apprenons que la justice, en tout cas, a condamné ces manifestants à 20 ans de prison. Un mot, nous retenons quoi, M. Georges? En fait, c'est vrai, nous l'avons appris que parmi les manifestants arrêtés ce jour-là, c'était le 27 du mois de septembre, ils ont été condamnés pour 20 ans. C'est encore une énième honte à la justice. Imaginez quelqu'un qui a été un manifestant parce qu'il a été arrêté dans la manifestation. Il est condamné 20 ans. Maintenant, c'est lui qui a tiré sur les manifestants qui n'ont même pas une pierre dans leur main. Il est libre. C'est qui? Dans la MONUSCO. La MONUSCO nous a causé la mort. Dans la MONUSCO, c'est les Nations Unies. Oui. Moi-même, je suis membre des Nations Unies. De par ma nation, ma république, la république. C'est tout, c'est cet union-là de toutes les nations qui sont autour de cette charte des Nations Unies, qu'on appelle les membres des Nations Unies. Et alors, ceux qui ont tiré sur ces manifestants, ceux qui ont tué les gens, et aujourd'hui plusieurs sont des handicapés physiques parce qu'ils ont reçu des coups de balle. Il y a eu des morts. Ouais. Nous avons enterré 12 personnes ici à Goma. Avec honneur. Et ceux qui ont tué ces gens sont libres jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais c'est votre justice, M. Georges, qui condamne ces gens. C'est les dépresses qui est au pouvoir. Une énième honte. Pour vous, les régimes. Dernièrement, là-bas, tu sais qu'il commençait à dire qu'il n'est pas encore satisfait par la justice. Maintenant, je l'emboîte le pas. La justice doit encore aussi régler certaines choses. Est-ce que cette condamnation, ce n'est pas l'état de droit que vous aviez toujours? En fait, il y en a qui sont. Là, parmi les juges, parmi les justiciables, donc parmi les gens qui font la justice, il y en a qui sont bons et qui sont mauvais. Moi, je trouve celui mais qui a appliqué, condamné. Il a lu les droits, genre. C'est lui qui. Bon, peut-être. Vous savez que les manifestations sont interdites pendant. Donc, c'est tout dans des zones en état de siège. Je vais vous ramener quelque part. C'est lui qui avait condamné Kamer 20 ans. Et c'est lui qui l'a acquitté d'être innocent. Qui a lu les droits, qui n'a pas lu les droits? Entre les deux. Tout ça, c'est sous Tshisekedi, c'est sous votre régime. Pour vous dire que la justice que Kabila nous a laissé a encore des problèmes, comme nous l'avions dans l'armée. Mais à 4 ans. Acceptons qu'il y a encore des problèmes. Mais à 4 ans, monsieur Georges, que vous êtes là, pourquoi vous savez, ne parviez pas pour réformer certaines choses dans la vie, ça demande du temps. Je vais faire un exemple. En France, on a réformé l'armée pendant 50 ans. Après la guerre de 100 ans. Après la guerre de 100 ans, on a réformé. La France a réformé son armée pendant 50 ans.
Et chez nous ici aussi, la réforme ne peut pas se faire dans 4 ans. Il faut du temps. Surtout au cercle de la justice, et surtout dans le secteur de la justice, il y a encore trop à faire. D'accord. Je vous ramène sur le point. Revenons sur ce point, par exemple. Costa Omar, le pasteur Costa, Jean Omar, pas Costa, Jean Omar plutôt. Jean Omar, je précise. Pasteur Jean Omar. Disons, accusé de kidnapping avec 4 hommes. Le pasteur Jean Omar sera acquitté et puis ses agents qu'il a toujours envoyés pour kidnapper les enfants, ils sont condamnés à perpétuité. Qu'est-ce qui prouve que Omar, lui, n'était pas là-dedans? Merci. Lui, il est acquitté, les autres sont condamnés à perpétuité. Ça, c'est notre décision. Il reviendra prochainement. Le juge mais il faut préciser, c'est votre juge, l'IDPS, vous êtes au pouvoir, il faut assimiler. Merci de nous avoir accordé cet entretien, Georges. J'ai fini par dire que la justice a encore des problèmes. Je demande au chef de l'État de voir aussi un œil regardant si c'est encore un problème, donc le régime doit changer selon vous. Merci beaucoup. Je ne dis pas le régime, la justice doit avoir des réformes. Merci, on sait qu'il peut avoir son numéro de téléphone. Pas le régime. Malgré l'échec, pas le régime. Il n'y a pas d'échec. Le numéro de téléphone, Georges. Rendez-vous le 20 décembre. D'accord, il y a Katoub qui arrive. Numéro de téléphone, Georges. Katoub, c'est un juif. Numéro de téléphone. Ne sera même pas là. Numéro de téléphone. Ok, j'ai fini par dire ceci. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. Nous avons largement dépassé nos minutes. Nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68. Merci de nous avoir accordé cet entretien, mesdames et messieurs. Et merci aussi de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous disons bye bye.